Faut-il espérer un retour à la normale dans les stations-service? Une séance de négociation a duré toute la nuit. On en parlait à l'instant entre les syndicats et la direction de Total Énergie. Un compromis se dessine avec la CFDT et la CFE-CGC, mais sans la CGT qui a claqué la porte. Les quatre sites Total restent en grève. Votre invité Alexandre, c'est Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Bonjour Frédéric Plan. Bonjour. Vous représentez un grand nombre de stations-service indépendantes. Quel est l'état de leur approvisionnement? Quelle est la situation ce matin? Alors, les entreprises que nous représentons, c'est un ensemble de distributeurs de produits pétroliers, carburants et combustibles, dont des stations-service indépendantes. Ce que je voudrais tout d'abord dire, c'est que si la situation n'avait pas évolué ces derniers jours, ces dernières heures, notre analyse de la situation était que nous allions passer l'image, mais nous allions dans le mur d'ici à une semaine. Mmh. Donc les premières mesures, notamment résultant de réquisitions, vont alléger la situation, mais ne vont pas permettre un retour à la normale. Pour ce faire, il faudrait que l'ensemble des dépôts d'approvisionnement qui sont toujours bloqués et qui représentent une partie importante de l'approvisionnement du marché français soient débloqués. Et à partir de là, et seulement à partir de là, il faudra plusieurs jours pour que l'apparence de la normalité soit perceptible, notamment par les automobilistes, parce que c'est ce qu'on voit le plus. Et on oublie d'ailleurs l'approvisionnement des professionnels en direct, dans leur cuve. Et puis, il faut maintenant à peu près 2 semaines, voire 3 semaines, pour un retour à la normale comme si rien ne s'était passé. 3 semaines de délai avant un retour complet à la normale, Frédéric Plan. Oui, mais le plus important étant que l'amélioration progressive va se produire bien avant, que tous les acquéreurs, stations-service, transporteurs, agriculteurs pourront être ravitaillés beaucoup plus normalement, ça s'arrivera plus vite. Mmh. Lorsqu'Emmanuel Macron prévoit un retour à la normale dans la semaine qui vient dans les stations-service, vous ne partagez donc pas son optimisme, quoi qu'il advienne à partir de ce vendredi où on apprend qu'un compromis a été trouvé? Eh bien, si on parle de retour à la normale comme étant celui à partir du moment où tout se met à refonctionner, c'est-à-dire les expéditions des raffineries repartent, c'est possible pour la semaine prochaine. Mais ça n'est pas un retour à la normale à l'autre bout du tuyau, c'est-à-dire en termes de taux de remplissage dans les stations-service ou dans les dépôts secondaires pour l'approvisionnement des professionnels. Vous voyez la nuance, le retour à la normale peut être interprété de plusieurs façons. Oui, pour votre réseau, Frédéric Plan, combien de services, de stations-service ne sont plus du tout alimentées? Est-ce que vous avez ce chiffre? Non, on n'a pas ce chiffre parce que nous gérons un réseau de stations-service qui est à peu près de 800 stations à l'intérieur desquelles ce qu'on appelle les stations professionnelles privatives, oui. C'est-à-dire que les professionnels vont faire leur place, c'est pas ouvert au public. Mais si je devais faire une estimation, je dirais qu'en matière de rupture d'essence, parce que c'est très variable suivant les produits aujourd'hui, on est à peu près dans la moyenne nationale, aux alentours de 30%, mais ça varie extrêmement dans la journée. Bon, je reviens à cette estimation que vous nous donniez en termes de calendrier. 3 semaines pour un retour complet à la normale, à partir du moment naturellement où de la réouverture des raffineries. On est maintenant à 1 semaine des vacances de la Toussaint, Frédéric Plan. Ça paraît quand même mal engagé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà songer à revoir ces plans de vacances? Non, parce que ce qui est pour l'automobiliste particulièrement pénible, et c'est le féminisme, hein, c'est d'abord à faire des files d'attente, des heures d'attente en certains endroits, notamment sur des métropoles, notamment sur l'Île-de-France. Par contre, on observera quand même qu'il ne manque pas de carburant complètement. C'est pas la panne sèche. Je veux dire, il y a des stations qui sont régulièrement ravitaillées, mais assez vite régulièrement dépouillées. Donc il y aura du carburant, y compris pour le week-end. Par contre, ce que nous avons demandé au gouvernement, nous avons même invité la ministre à notre colloque qui se tient le 19 octobre prochain pour faire le point de la situation. Nous n'avons pas eu de réponse. La proposition, c'est de dire la remise gouvernementale de 30 centimes s'arrête le 31 octobre, c'est la veille du week-end. Oui, elle passe à 10 centimes à partir du 1er novembre. Et donc, d'une façon incitative, nous pensons que les automobilistes, ne serait-ce que pour le week-end, vont vouloir faire le plein avant. Ce qui va créer à nouveau une sorte d'embouteillage. Bien sûr. Sans jeu de mots. Et donc, décaler cette remise, celle sur fonds publics, pas celle sur Total, dont on sait qu'elle a eu pour effet de commencer à créer les ordres logistiques, de le repousser de 10 jours serait peut-être avisé.
Et pour desserrer les taux, hein, naturellement. Vous représentez également, Frédéric Plan, les entreprises de livraison de fioul domestique. Est-ce qu'il faut s'attendre là aussi à une pénurie de fioul pour les ménages ? Non, vous avez raison, la distribution de fioul domestique est adossée à la distribution des autres produits pétroliers, c'est la même logistique. Et donc, de ce fait, cette logistique dégradée a impacté le marché du fioul domestique. Cela étant, ça se gère très différemment, puisque l'ensemble des cuves des consommateurs contiennent 90% de la consommation annuelle, contiennent en capacité. Ce qui s'est passé pour réguler la situation, et contrairement évidemment aux stations-service, oui, contrairement au vrac pour les agriculteurs qui en ont besoin tout de suite, pour le chauffage, on n'a pas besoin de tout de suite. Et ce qui se passe, c'est que pour régler ça, on fait du fractionnement de livraison, on assure les urgences, et pour les moins urgences, c'est reporté à des délais qui varient aujourd'hui de 10 jours à 20 jours. Merci Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Je rappelle que vous représentez, entre autres, un grand nombre de stations-service indépendantes en France. Merci à vous.